Le rendez-vous des artisans et des professionnels du bâtiment, le Salon SAMSE. Le Salon SAMSE 2015, innovation entre pros. Donc bonjour à tous, on est la société James Hardy, on est fabricant de produits en ciment composite, lames de bardage et panneaux. Et aujourd'hui, il y a Thibaut qui a offert une démonstration de comment se pose une lame en ciment composite. Voilà. On a commencé à démarrer donc, sur la pose du produit. On est sur un produit à recouvrement, c'est-à-dire un bardage à clin. C'est-à-dire qu'on a la lame du dessus qui vient recouvrir celle du dessous. Donc Thibaut, je vais te laisser démarrer au niveau de la démonstration si tu veux bien. Donc là, on a Thibaut qui a déjà démarré l'application des lames. Ici, on voit qu'on a un espace par rapport au bas du sol parce qu'on a un avis technique qui préconise 15 cm entre le sol et la première lame. Et on a les trois premières lames qui ont été montées. Donc là, Thibaut va découper la première lame. L'avantage du produit, c'est qu'on peut venir découper à l'aide d'une guillotine. Voilà. Donc Thibaut va vous montrer ça. Voilà. Donc l'avantage de la guillotine, c'est que vous avez un produit à la fois un appareil qui nécessite pas de prise électrique, de branchement électrique, et qui ne fait pas de poussière. Et qui fait des coupes nettes également. Voilà. Donc là, Thibaut est en train d'appliquer la peinture sur les champs. À chaque fois qu'on a une découpe sur le bardage, il faut venir appliquer la peinture James Hardy, donc fournie avec le bardage, qui va empêcher les reprises d'humidité au niveau de la lame. Il vient essuyer le surplus qu'on a sur la lame, parce qu'il est très important de ne pas avoir de peinture sur le parement de la lame. Et après, donc, il vient appliquer ce qu'on appelle chez nous les piges de calage, qui vont à la fois servir de maintien au niveau de la lame et de calculer le recouvrement de la lame qui va venir masquer la fixation. Voilà. Voilà, donc là on voit la lame qui est venue masquer la fixation de la lame qui a été fixée antérieurement et qui est la piche de calage qui a donc calculé le recouvrement de la lame. Voilà. Donc après simplement au pistolet, on vient clouer à 25 mm du haut de la lame. Voilà, donc là Thibaut est venu clouer le bardage à 25 mm du haut de la lame. On enlève les piges de calage. Et finalement, vous vous retrouvez avec un bardage qui est fixé seulement en partie haute. Donc la lame est maintenue, mais avec le recouvrement qui va venir masquer à chaque fois les piges de calage. Voilà.